أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ببركة مولانا الشيخ قدس الله سره إن شاء الله. Aujourd'hui on va donc continuer l'étude du verset sur lequel on s'est arrêté la semaine dernière parce que le développement était relativement long. Et donc dans ce verset Allah Ta'ala dit, donc toujours dans sourate An-Najm évidemment. Donc dans ce verset, Allah Ta'ala dit « Et que d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis. » L'intercession des anges ne sert à rien, sinon après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qui il agrée. Donc ça avait fait l'objet d'une étude sur ce qu'était donc la shafa'a des anges, qu'on a, on a mis en apposition qu'on a mis à égalité avec... le fait de comprendre dans le sens que la chafara des anges renvoie au chafara des lumières, donc au chafara de la waseta, du cher éducateur. Et donc on avait donc expliqué ce qu'était la chafara pour nous, le idn aussi, parce qu'il y a
le verset est relatif au idn d'Allah, le lien entre le idn, donc l'autorisation divine, la shafa'a et l'agrément. C'était sur ça qu'on s'était véritablement arrêté, parce que tout le cours de la semaine dernière était un développement pour en venir à ça. Donc aujourd'hui, on va répéter la dernière chose qu'on a dit la dernière fois, qui était donc que la prédisposition première, ce qui fait qu'on a quelque chose en nous qui va nous ramener à Allah Azzawajal, c'est le idn, un vrai idn, la véritable autorisation. Ensuite, le feu du disciple, les efforts dans la voie, ce que le disciple va faire pour honorer ce idn, ça mène à l'agrément. Et lorsqu'il y a l'agrément, alors lorsque l'intercession a véritablement lieu. Voilà. Donc il y a le idn de l'intercession au départ. Donc Allah veut qu'on y arrive. Il nous ramène à un cheikh, il nous fait entendre parler d'un cheikh. Si on fait les efforts pour venir à lui, pour honorer l'engagement, etc., alors il y aura l'agrément d'Allah et l'agrément d'Allah va être marqué par le fait qu'il y a véritablement shafa'a. Donc on peut comprendre cela à différents degrés. Évidemment, la mushahada, ne serait-ce que l'apparition de la lumière, est une shafa'a, est une preuve de la shafa'a. On avait donc terminé avec le vers, pardon, de Sidi Ahmed al-Alaoui qui dit: fournis des efforts et tu verras donc en mushahada tout ce qui est bénéfique. Et tout ce qui est bénéfique est évidemment réuni dans la lumière. Donc on continue aujourd'hui. Si le idn divin, si l'autorisation divine et l'effort personnel, ce que le disciple va faire, ils sont réunis, alors il y a l'intercession, ce qu'on vient de dire. Alors il y a l'intercession. Et s'il n'y a pas de prédisposition première, donc s'il n'y a pas de idn, ou s'il y a eu un idn, mais que le mourid ne l'a pas honoré. C'est-à-dire, il a eu ce feu, il a eu accès au cheikh, il y est allé, peut-être il est rentré dans la voie, peut-être même il a avancé dans la voie, mais il n'a pas obtenu le rida, l'agrément, il n'a pas honoré ce qu'Allah Ta'ala lui a donné. Eh bien, dans ces deux cas-là, si tu n'as pas de idn ou si tu n'as pas honoré ce idn-là, alors il n'y a ni idn, il n'y a ni autorisation divine, ni agrément de la part d'Allah. C'est-à-dire que le idn, c'est pas quelque chose. Donc le cheikh, après, il explique que le idn, il ne faut pas rester agrippé à ça. C'est un peu le défaut du faqir, que ce soit le idn global qui est la prédisposition du disciple, qui est le fait qu'il va arriver dans la tariqa, ou le idn, les différents idn qu'il va prendre après le disciple pour faire des choses dans la voie. On reste attaché à ça en se disant, par exemple: moi, c'est bon, j'ai l'ism, par exemple. Moi, j'ai l'idn de réciter l'ism al-Azam, par exemple. Le disciple, il va peut-être s'enorgueillir de ça et se dire: c'est bon, j'ai l'idn. Mais si tu ne le fais pas, ce dhikr, qu'as-tu fait de ton idn? Donc, le cheikh, il te dit, en gros, ne reste pas attaché au mot idn. Le idn, il doit te pousser à des actes qui vont te mener à l'agrément. Et la preuve de ton agrément, c'est la shafa'a. Exemple, pour essayer de comprendre, pour essayer d'expliquer, moi le disciple, donc c'est pas moi, mais moi le disciple va voir le cheikh. Donc déjà il a eu un idn, une prédisposition, il arrive, il prend la béa, le cheikh lui donne un dhikr particulier, le wird, le disciple va le faire, il va être sérieux dedans, jusqu'à peut-être il rentre dans la khulwa. Eh bien la khulwa, c'est une preuve, c'est une shafa'a. Il a la preuve que il a honoré le idn premier et il a atteint donc la shafa'a. Pareil entre le deuxième et le troisième secret, etc. À chaque fois que le disciple a une preuve ou un surplus de la part d'Allah, on peut considérer qu'il y a eu agrément de la part d'Allah Ta'ala sur les efforts qu'a fourni le disciple. Donc, il faut pas rester accroché donc au mot idn, agrippé comme ça, en pensant qu'il est acquis, parce que si tu as laissé tomber ta nefs dans des choses viles, par exemple, tu es rentré dans la tariqa et ensuite tu t'es détourné. Eh bien, sache que le idn, il évolue à la mesure de ton évolution personnelle. Et que ton cœur, s'il s'est détourné, c'est avant tout parce que le idn a été retiré. C'est Allah Ta'ala qui précède le serviteur, et ce n'est pas le serviteur qui finalement a le pouvoir de rompre son lien avec Allah Ta'ala. Donc si
le cœur s'est détourné, c'est parce que Allah Ta'ala n'avait pas mis de hidn véritable. Il y avait un parfum dans ce cœur-là. Il aurait pu peut-être te tourner vers et obtenir ce véritable hidn, mais si tu ne l'as pas pu saisir ta chance, si tu es tombé, c'est que tu n'avais pas le véritable hidn préalable. Donc, le cheikh fait un petit récapitulatif. Donc, comme nous avions dit, s'il n'y a pas de hidn accompagné d'agrément, de rida, il n'y a pas non plus de shafa'a, d'intercession. C'est en ce sens qu'Allah Ta'ala dit dans le verset, leur intercession ne sert à rien. Rappelez-vous que d'anges dont l'intercession ne sert à rien. Pourquoi elle sert à rien? Parce que il n'y a pas les conditions donc, que nous venons donc d'énumérer. Puis dans le verset suivant, Allah Ta'ala dit, ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. C'est-à-dire qu'ils croient que les anges sont féminins. Or, on sait, nous musulmans, que l'ange n'est ni masculin ni féminin. Enfin, on le sait. On l'a appris. Il y a quand même une nuance. Ils ne sont que des lumières subtiles. Donc, l'ange, finalement, il prend la forme qu'il souhaite par ordre divin. Allah les a exemptés de tout défaut. Donc, ceux qui leur donnent des noms de femmes, ils ne font que prouver l'absence de leur foi en l'au-delà. Et si toi, tu affirmes cette chose-là ou tu penses cette chose-là, c'est que tu n'as aucune foi. Donc, questionne ton propre cœur. Est-ce que tu donnes dans ton cœur aux anges une description féminine? Et si tu ne leur donnes pas une description féminine, est-ce que tu leur donnes une description masculine? Parce que ça aussi, finalement, c'est un autre penchant qui est aussi un problème. Parce que déjà, on leur donne des noms d'hommes. Tu les nommes par des noms masculins, alors qu'ils ne sont d'aucun des deux genres. Travaille donc à corriger cela, nous dit le cheikh, et efforce-toi de changer en toi cette idée. Essaye de réunir les choses pour que ce soit ni masculin ni féminin dans ta croyance. Je te rapporte encore quelque chose d'autre. Les anges peuvent aussi apparaître sous forme d'animaux. Ils peuvent aussi apparaître sous forme d'animaux. Et là, tu vas me dire, oh, ça va devenir une colombe, une belle chose, une belle colombe. Eh bien, sache que ils peuvent aussi prendre des apparences d'animaux terrifiants, monstrueux et terrifiants. Ainsi sont les anges par la permission de leur Seigneur. Ils prennent l'apparence qu'ils veulent. Et la preuve de cela, par exemple, c'est bah, les anges qui se trouvent en enfer ne sont pas des belles créatures plaisantes à regarder. Donc, ils ont une apparence. Allah Ta'ala leur a donné une apparence pour leur fonction d'anges qui sont donc en enfer, terrifiants. Voilà. Une fonction, donc, et le cheikh interroge, qu'en penses-tu de leur apparence? Est-ce qu'elle va être Jamalia ou Jalalia? Voilà pourquoi Allah Ta'ala dit. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'iman. Ceux qui n'ont pas d'iman. On ne parle pas de croyances secondaires. Ceux qui n'ont pas de véritable iman. La preuve de cela, c'est qu'ils donnent aux anges des noms de femmes. Ceux-là n'ont aucune part dans la foi. Quant aux autres, donc, ceux qui ne sont pas clairement dans cet égarement qui est de donner aux anges des noms de femmes, eh bien, ils ont quand même. Ça ne veut pas dire que parce que toi, tu dis les anges n'ont pas de nom de femme, que tu as l'iman ou que tu as une croyance pure ou etc. Non. Le cheikh, il dit leur degré de foi diffère en fonction de la réalité de leur croyance à ce sujet. Sur ce sujet-là. On sait très bien, il y a six piliers dans la foi. Là, mais sur le sujet de la croyance aux anges, selon ta véracité par rapport à ta compréhension de ce que sont les anges, eh bien, ton degré de foi, il diffère. Et là, donc, après, on parle, c'est dans la continuité, mais c'est un autre, enfin, c'est la continuité. Donc, de ce fait, l'évocation du nom divin est la connaissance, la marifa d'Allah, est la connaissance par excellence. Là, c'est pas la connaissance des anges, c'est la connaissance d'Allah. C'est ce qu'on appelle le tawhid. L'unicité et la singularité d'Allah. Et celui qui détient cela ne peut chuter dans de telles descriptions. Celui qui a vraiment un véritable lien de tawhid avec Allah, il ne peut pas avoir une mauvaise croyance concernant les anges. Il ne pourra pas. Voilà pourquoi le tawhid demeure le degré le plus élevé. Parce que si ton tawhid il est bon, eh bien,
le reste, inshallah, pourra être bon. Alors que tandis que celui dont la croyance est mauvaise, la aqida, donc là on va commencer à parler de la aqida. Donc celui dont la aqida elle est mauvaise, l'ensemble de ses œuvres vont également être mauvaises. Évidemment, si tu ne sais pas qui tu adores, tu n'as rien compris au pilier de la foi, ou si tu as une compréhension ultra basique, même si tu fais bien tes adorations dans l'apparence, eh bien, tes œuvres, elles ne peuvent qu'être vides, si ta croyance elle-même est vide. Quant à nous, nous ne parlons pas de Akhida. La Akhida, vous avez toujours à parler, la Akhida, les musulmans en parlent toujours. Hein, on ne dit pas qu'on n'apprend pas aussi, nous aussi, la Akhida, et qu'on ne doit pas se conformer à la Akhida qui est reconnue chez les musulmans. Mais là, donc, on parle dans un certain degré de lecture qui est la connaissance d'Allah Ta'ala par le Lam al-Qabd. Donc, évidemment, on balaye les traités de croyance. On apprend ça avant, normalement. C'est pas là, on n'en est pas là. Hein. Donc, ceux qui restent, donc, nous ne parlons pas de Aqida. Pourquoi? Parce que la Aqida concerne tout ce que le cœur aura pu saisir et cerner, donc Aqada, des perceptions de son intellect. Donc, la Aqida, ce n'est pas assez absolu, assez précis, ça ne va pas assez loin. C'est ce que ton cœur il a pu saisir de ton intellect. C'est limité finalement, ça reste finalement un cercle. Alors que là, on est dans le Lam al-Qabd. Quant à la réalité, donc al-haqiqa, elle est désignée par l'accord de solide d'Allah. Ce n'est pas la aqida. Al-haqiqa, ce n'est pas la aqida. C'est la corde solide d'Allah. Et ça nous renvoie à quoi cette corde? Ça nous ramène au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, donc un hadith que Sayyidina Nashir cite souvent, c'est lorsque le prophète, alayhi wa sallam, traça un trait dans le sol et dit, voici le chemin d'Allah, ce fameux trait qu'il tira vers lui. Donc du plus loin de lui vers le plus proche de lui. Ce trait, il dit, voici le chemin d'Allah. C'est ça le Siratul Mustaqim. C'est ça le chemin droit. Voici le chemin d'Allah. Et le prophète, quand il a fait ce chemin, il n'a pas fait de uqad, il n'a pas fait de nœud. Uqad, c'est la même racine que aqida. Il n'a pas noué. Il a fait un trait sans nœud. Donc il l'a tracé un trait parfaitement droit et dit que celui qui suivrait cela, il se trouverait sur le chemin droit. Et il y a un autre hadith que Sayyidina Nashir cite, je vous ai laissé sur la voie blanche. Sa nuit ne diffère pas de son jour, elle ne s'en écarte que quelqu'un voué à la perdition, qu'Allah nous en préserve. Donc le chemin droit, ce chemin droit que le prophète sans nœud, il a tracé, eh bien c'est la voie blanche, cette voie à laquelle nous aspirons. Dit quant à la aqida, elle n'est jamais qu'à la mesure de ce que tu auras pu saisir. Là, aqadta, donc ce que tu auras pu saisir et cerner. Toujours, donc il y a des. En langue arabe, donc Sayyidina Nashir utilise la même racine pour démontrer finalement les limites de ce qu'est la aqida. Hein. Donc ce que tu auras pu saisir au sujet de la foi, de ce que tu aurais pu être informé au sujet du tawhid. Et là, il faut faire la distinction entre ce que toi tu as saisi du tawhid, ou ce que tu as étudié dans un livre ou dans des dolos ou avec n'importe qui, tu as étudié de la aqida, c'est ce qui a été saisi du tawhid qui t'a été donné et toi, tu n'as même pas compris exactement ce que l'imam a écrit ou ce que lui-même avait saisi. Tu as appris selon un commentaire, un autre commentaire. Donc, tu restes toujours en train de saisir ce que d'autres ont essayé de saisir, ce que d'autres eux-mêmes ont essayé de saisir finalement. C'est ça qu'on appelle donc la aqida. C'est pour ça qu'on dit que l'imam al-Ash'ari donc a saisi aqada et nous avons appelé cela la aqida, donc la aqida ash'arite, la aqida ash'ariya. Et quelqu'un d'autre, donc la aqida ash'ariya, la aqida maturidiya si on veut, toutes les croyances musulmanes, qu'elles soient finalement reconnues et bien guidées, celles des sunnites ou qu'elles soient égarées, ce sont ce qu'on saisit donc. Les auteurs de ces croyances-là. Quant à toi, donc le cheikh te dit, quant à toi, je te souhaite de réaliser l'état de droiture, l'istiqama. Je te souhaite de le réaliser sur ta corde solide avec ton Seigneur. Et ce, sans le moindre nœud.
Rokhda, donc sans le moindre nœud. Ce que veut Sayyiduna Cheikh pour nous, c'est nous mener à la haqqa la plus pure, la plus vraie, la plus absolue, sans nous limiter. Ta limite, c'est toi qui va finalement, qui va, selon le hidn, on revient au hidn premier, c'est toi qui va la faire selon la prédisposition qu'Allah t'a donnée. Alors qu'ils n'ont, ils en ont aucune connaissance. Là, donc là, c'est la suite du verset. Donc ceux qui ne croient pas en l'au-delà de nos anges et non de femmes, donc le verset suivant, c'est alors qu'ils n'en ont aucune connaissance, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement ignorants. Ils sont ignorants de cela, de la vérité des anges, des choses de l'au-delà, des piliers de la croyance. Ils sont ignorants de cela. Ils ne font que suivre aveuglément. Ils font un taqlid aveugle. Ce qui, dans le cheminement, est totalement contre-productif et même c'est anti-cheminement. Si tu fais le taqlid aveugle, ne chemine pas. Ne chemine pas. C'est-à-dire que tu ne veux pas faire ta propre expérience, tu ne veux pas faire ta propre ascension. Tu ne veux pas t'élever toi-même à travers les sept cieux. Tu veux lire simplement ou essayer de saisir ce qui a été ramené par d'autres qui l'ont fait avant toi. Donc ils ne font faire que le taqlid de ceux qu'ils ont trouvé avant eux, de leurs prédécesseurs. Alors, c'est mauvais, évidemment, c'est quelque chose à ne pas faire dans le cas où ceux-ci sont ignorants. Mais si leurs prédécesseurs sont des chouyours, les chouyours qui ont atteint l'istiqam à la droiture, donc les chouyours de Tarbiyah, eux, ce sont des dignes enseignants pour leur descendance. Quant au taqlid qui n'est basé que sur des conjectures, donc par exemple, l'analyse des textes par la raison, hein, on va dire, là, c'est un exemple. Le cher ne le dit pas, mais on peut le comprendre. Donc, l'analyse des textes par la raison, la philosophie avec les textes du Coran et de la Sunna sans ma'rifa. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser la raison à un certain niveau, mais sans ma'rifa. À essayer d'aller trop loin, donc aller parler des piliers de la foi qui sont au-delà de la raison pour établir une croyance. Eh bien là, on se rend compte que leur croyance est basée que sur des conjectures. À un moment donné, on ferme des portes sans en ouvrir. On sait qu'il ne faut pas croire ça, il ne faut pas croire ça, cela ne sied pas au niveau d'Allah, il ne sied pas de dire ça sur le prophète, il ne sied pas de dire ça sur les anges, mais ça ne nous fait pas connaître les anges, ça ne nous fait pas connaître Allah Azzawajal, ça ne nous fait pas connaître le prophète, on sait juste, par exemple, qu'il faut croire que les prophètes sont vivants dans leur tombe, que Allah Ta'ala existe sans endroit. Tous ces exemples-là qu'on va apprendre dans la croyance, et on ne dit pas qu'il faut revenir dessus et venir corriger ça. Non, c'est la croyance musulmane accessible par la raison pour être enseignée à la masse. Mais si tu essayes de connaître Allah en restant dans ces choses de la raison, bah, tu ne vas te baser que sur des conjectures. Et la conjecture ne sert rien face à la vérité. Toi, tu es un chercheur de haqiqa. Tu dois aller puiser donc à la source du prophète. Et ici, le mot vérité, haq, il renvoie à la haqiqa de la chose. Okay? La haqiqa de la chose. Or, la haqiqa, elle ne peut être saisie que par la science. Quant à la conjecture, elle n'a absolument aucun impact dans la ma'rifa authentique. Tu te dois de te baser sur quelque chose de scientifique. Scientifique, c'est pas faire des expériences scientifiques avec des éprouvettes ou je ne sais quoi. Ce qui est scientifique pour le disciple, c'est ce qui vient de la lumière d'Allah Ta'ala et que le cheikh lui fait comprendre à travers donc le dhikr. Parce que évidemment, on ne comprend rien par nous-mêmes. Donc à travers le dhikr, à travers l'élévation, à travers notre mirlaj à nous, notre élévation à travers les cieux, on va comprendre, on va avoir nos preuves scientifiques de notre croyance. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'évidemment on croit des choses différentes du reste des musulmans, mais c'est une croyance par expérience, par connaissance. On se base sur une connaissance. Et le arif billah, le connaissant par Allah, c'est de ça qu'on parle. Le disciple devient un connaissant par Allah. Le connaissant par Allah connaît Allah par expérience personnelle. Il peut parler d'Allah, il peut parler des choses selon sa propre expérience. Il ne se base pas sur ceux qui suivent la conjecture, même si leurs discours peuvent se rejoindre à bien des endroits. Donc Allah Ta'ala dit ensuite, dans le verset suivant, écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie de ce bas monde. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel et qui ne désire que la vie de ce bas monde. Donc il s'agit ici d'une mise en garde de la part du vrai
d'Allah contre le fait de fréquenter les gens de l'insouciance, les gens qui ne sont pas dans la même approche du cheminement, voilà, tout simplement. Et le cheikh dit, mais je m'adresse ici à ceux qui désirent la tazkiya, la véritable purification. Il dit, je n'interdis, je ne rends illicite à personne la fréquentation de qui que ce soit. Le cheikh, il prend des pincettes avec nous. Il ne veut pas nous rendre illicite la fréquentation de qui que ce soit. Mais il nous dit la vérité. Questionne ton cœur, libère-toi de ta nefs, de ton propre chef. Lorsque tu fréquentes les gens insouciants, forcément, ils t'enjoignent à ce bas monde. Et ainsi, ils te trompent, hein. L'insouciant qui est éloigné de l'évocation d'Allah ne fera jamais que t'éloigner de l'obéissance d'Allah. Le temps passé avec les gens de l'insouciance est forcément un temps de regret. C'est ainsi que les gens d'Allah ont établi que leur fréquentation est un poison mortel et que la participation à leur assise est une pure perte de temps. Excepté, il y a une exception, pour celui qui sera fermement ancré dans la lumière d'Allah. Car dans ce cas, sa fréquentation devient pour eux un retour depuis leurs ténèbres vers sa lumière. Là, je ne sais pas à quel moment dans le cheminement le disciple peut penser ou avoir cela, peut-être quand le cheikh lui dit tout simplement. Il y a un moment donné où le disciple est tellement établi dans la lumière que même si tu le mets au milieu des gens des ténèbres, il les éclaire. C'est lui qui les éclaire. Alors que, bon, ça peut être, ça dépend du degré de fréquentation. Je pense qu'un disciple qui est certes suffisamment avancé de temps en temps lorsqu'il fréquente des gens des ténèbres, il leur donne de sa lumière. Et qu'à plus le disciple avance, à plus son temps avec les gens des ténèbres sera moins nocif pour lui et le plus profitable pour eux. Donc ça doit dépendre aussi de la fréquence, évidemment. Mais il y a donc un niveau dans lequel le disciple devient une véritable lumière pour les gens qui l'entourent. Mais le disciple, lorsqu'il est encore dans l'élévation, une fois il est chancelant, une fois il est... Donc le cheikh parle de ça, donc je sais pas si c'est à cet endroit-là ou si c'est un peu plus loin. Mais tant que le disciple, une fois il est bien, une fois il n'est pas bien, ça ne veut pas dire une fois il doute de la talaqa ou une fois il est dans la talaqa. On parle d'un autre niveau quand même. C'est-à-dire le disciple, une fois il est bien, il est mashallah, il avance, il fait du dhikr, il fait ce qu'il faut. Et une fois il est un peu plus faible, etc. Celui-là, forcément, ça va le tirer vers le bas. Donc, c'est-à-dire, là, on parle de celui qui est fermement ancré dans la lumière, c'est-à-dire celui dont le fort intérieur fut rempli de lumière, celui chez qui le soleil du tawhid a pris place dans son cœur. Celui-là, même s'il fréquente un insouciant, par sa lumière, il le fait revenir l'insouciant des ténèbres vers la lumière. Donc, en quelque mesure, autrement dit, il est en mesure de sauver autrui. Ce disciple-là, il est en mesure de sauver autrui. Ce n'est plus lui qui tombe, c'est les gens qui s'élèvent par lui. Donc, mais si là, donc c'est là que le cher en parlait, mais si la personne demeure encore dans un état chancelant, ou s'il n'est pas encore pleinement ancré dans le cheminement, alors il ne vaut mieux pas pour lui, il vaut mieux pour lui se séparer des gens donc de l'insouciance. Alors que la personne fermement ancrée et établie dans la lumière divine, celui-là entraînera autrui vers Allah. Et leur assise sera en vérité une assise de plénitude et non pas une assise d'insouciance. Juste tu mets ce disciple-là auprès de gens d'insouciance, l'assise, elle s'éclaire, elle devient une assise de plénitude. Il faut déjà avoir le niveau pour ne pas aller vers les gens, mais que les gens viennent vers toi. Ce croyant sera devenu lui-même un attribut. Donc, ça veut dire qu'il a fait le fana complet, un attribut de lumière. Il a fait le fana complet dans la lumière, réuni avec des gens dont la description est ténèbres. Ainsi, les opposés se réunissent, le croyant étant pour eux un miroir, comme le dit le hadith. Le croyant est le miroir de son frère. Donc les gens d'Allah ont dit à ce sujet-là que la solitude est meilleure que la fréquentation des gens du commun. La solitude est meilleure que la fréquentation des gens du commun pour le disciple, pour celui qui veut avancer vers Allah Azzawajal. C'est meilleur la solitude. Mais que la fréquentation de l'élite, donc l'élite, on ne parle pas des chouyours, mais des autres cheminants, la fréquentation de l'élite était préférable à la solitude. Donc, excepté encore une fois pour les gens de la pleine réalisation spirituelle, parce que tu les mettes dans l'un ou dans l'autre, quelle que soit la situation, ils sont toujours ils sont pleinement dans leur station spirituelle. Donc c'est les gens du tahqiq. Donc c'est un certain le tahqiq, c'est la pleine réalisation spirituelle, c'est quand même un certain degré. Les gens de l'insouciance, de la rafla, enseignent une face apparente de la vie.
Les gens de l'insouciance, ils t'enseignent une face apparente de la vie de ce bas monde, mais sont insouciants vis-à-vis de l'au-delà. Et il fut ainsi demandé à l'imam Abul Hassan al-Shazili, Ya Sayyidi, comment as-tu fait pour dépasser tous les gens de ton époque? L'imam Abul Hassan al-Shazili a répondu que c'était en mettant en œuvre, en application la parole du prophète alayhi salam. Et cette parole consiste en le renoncement à vous et à votre bas monde. Donc pourquoi l'imam Shazili il a dépassé tous les gens de son époque? Parce qu'il s'est libéré, on va dire, de l'attachement aux hommes et à leur bas monde. Il parle même pas, il dit même pas aux hommes et au bas monde, il dit à vous et votre bas monde. C'est-à-dire c'est même plus le sien de bas monde, c'est même plus les hommes ne sont, il n'est même plus parmi eux lorsqu'il répond comme ça. Puis Allah Ta'ala dit donc verset suivant. Voilà toute la portée de leur savoir. Ceux qui disent que les anges ont des noms de femmes, qui se basent que sur la conjecture face à la vérité, voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement celui qui est bien guidé. Il connaît mieux qui est bien guidé vers lui parce que c'est lui qui le guide à lui et c'est lui qui lui facilite de s'élever vers lui. Le cheminement est un cheminement unique, comme El-Mulk, donc le Mulk, le royaume, le monde physique dans lequel nous vivons, est un Mulk unique. Quant au Malakout, il est présent et établi dans le Mulk. Le Malakout est présent et établi dans le Mulk. Alors ça, c'est important à dire. Des fois, dans la conception musulmane, on pense que le Mulk, donc c'est la terre physique et que le malakout c'est le paradis. Donc on a déjà dit que le paradis c'était le mulk de l'au-delà, mais c'est par exemple les cieux, donc tu montes dans le ciel et tu arrives dans le malakout. Non, le malakout est présent et établi dans le mulk même. Et le jabalout est la haqiqa du flux débordant de la beauté divine. Donc le jabalout c'est la haqiqa du flux débordant de la beauté divine qui se manifesta en une forme apparente et noble, donc une forme ulouia dans le malakout. Le Jabalout, qui est la beauté divine, est apparu, apparaît dans le malakout. Il apparaît dans le malakout. C'est une, et c'est, il fait, et donc il a fait naître par cette apparition du Jabalout, qui est le royaume de la beauté divine. Il a fait naître donc la haqiqa de cette beauté dans le Jamal. Donc c'est-à-dire que l'apparition du Jabalout, excusez-moi, je suis un peu confus là, mais l'apparition du Jabalout dans le Malakout, c'est du Jamal. C'est-à-dire que le secret, parce que quand on parle de Jabalout, on parle de secret. C'est tellement subtil, on parle que de secret. L'apparition du Jabalout dans le Malakout, c'est le débordement du secret vers le monde des lumières, vers le monde du Malakout. Et c'est du Jamel. Et l'apparition, et il a apparu également dans une forme opposée à celle-ci, qui n'est autre que le Moulk. C'est-à-dire qu'une autre forme, une forme opposée à celle du Malakout, c'est l'apparition du Moulk. Et l'apparition du Moulk, c'est considéré comme du Jalel. Jalel, c'est toujours, l'enfer, c'est du Jalel. Les épreuves, c'est du Jalel, par exemple. En apparence, alors que dans le côté caché, c'est du Jamel. Pourquoi? Parce que ça purifie le croyant de ses bonnes, de ses mauvaises actions et ça l'élève. Mais donc le jalal, c'est ce qu'on est en général, c'est ce qu'on n'aime pas. On parle de majesté. Dans les noms divins, il y a des noms, par exemple, qui sont durs, qui semblent durs. Et on dit ils sont contre nous, ces noms-là. Par exemple, la justice. La justice, elle est forcément en notre défaveur, vu qu'on pêche tout le temps. La miséricorde, c'est du jamal, par exemple. La justice, ça va être du jalal. Ça ne rigole pas. C'est toujours comme ça. Donc le jalal, c'est toujours comprendre comme étant quelque chose de dur, de quelque chose qui va pas forcément être appréciable pour nous, selon notre vision de créature. Donc, notre Seigneur nous créa dans ce moulk de Jalel. Notre Seigneur nous a créé dans ce moulk de Jalel. Et l'accès à la haqiqa de notre station spirituelle, donc la réalité profonde de notre station spirituelle, dépendra de notre capacité à voir ce moulk de Jalel, ce moulk de difficulté, de ce monde de difficultés et de choses qui sont déplaisantes comme étant du Jamel. C'est-à-dire que ta station spirituelle dépend de ta capacité à voir le Jamel dans ce monde. Mais attention, ça ne veut pas dire ceux qui sont amoureux de ce bas monde, hein. Ceux qui disent j'aime la vie est magnifique, elle est belle. C'est ceux qui sont attachés, fermement attachés à Allah Ta'ala, qui voient
avant la chose, pendant la chose et après la chose, il voit les choses, il voit tout par la lumière d'Allah, il ne voit qu'Allah, et qui arrive à travers cela à voir le beau et ne pas être coupé d'Allah Azzawajal, même dans ce bas monde. C'est ça dont on parle. C'est pas ceux qui disent, moi, j'aime la vie, je kiffe la vie, donc je suis dans le Jamal, donc c'est bon. Non, ça, c'est pas du Jamal, ça, c'est une calamité. Donc, si par contre on voit ce monde comme du Jalal et qu'on reste à ce niveau-là, on va faire un exemple simple. Celui qui voit le monde comme du Jalal, ça va être l'Asset. Les chouyours, on en a beaucoup parlé. L'Asset, le Zahid, donc celui qui, par exemple, il mange pas, il dort pas, presque il se marie pas ou il approche pas son épouse. Il est là, il est toujours dans le dhikr. Voilà, les salafs, par exemple, étaient très, 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 très forts là-dedans et beaucoup, le zot fait partie de la voie. Le zot fait partie de la voie. Il y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, celui-là, il va considérer le monde comme un jalel, donc ils font se priver. Ce monde, c'est une tentation, c'est quelque chose de mal, de difficile, et ça fait partie de la voie de passer par là et d'appliquer cela, c'est la sunna du prophète, a.s. Mais, tant que tu es resté dans cette conception de ce monde, c'est du jalel, et non pas tu, parce qu'il y a une différence entre se priver de ce bas monde parce qu'il est jalel ou parce qu'il est une tentation ou parce qu'il nous détourne d'Allah Azzawajal, et de s'en détourner, parce que nous suivons la sunna du prophète, cela, parce que ce bas monde ne nous détourne plus d'Allah Ta'ala, mais nous continuons d'appliquer la sunna du prophète, qui est du fait de se détourner de ce bas monde. Donc il y a une grande différence entre ces deux stations-là. Donc, si on continue de voir ce monde comme étant du Jalal, notre station spirituelle est dans le Jalal. Et si on voit ce monde comme étant du Jamal, alors notre station spirituelle est dans le Jamal. Et si nous, on vit donc avec lui dans la joie et l'allégresse, alors notre station spirituelle est Jamel. Tiens-toi donc là où Allah t'a placé et questionne ton cœur afin de connaître la réalité de ton âme. Vois-tu cette époque comme étant Jamel ou bien Jalel? Vois-tu ta vie avec Allah comme une jonction, comme un wasl, ou bien comme un fasl, une scission? Peux-tu te considérer comme étant des gens de l'éveil spirituel ou bien plutôt des gens de l'insouciance? Chacun a la réponse dans son cœur. Donc, ces deux questions, c'est ces questions que le cheikh nous pose. Donc, est-ce que tu es dans le wasl avec Allah, même dans ce bas monde, ou tu es dans le fasl, et tu te dis vivement la fin pour que je rejoigne mon Seigneur, par exemple? Ou est-ce que tu fais partie des gens de l'éveil spirituel ou des gens de l'insouciance? Là, le cheikh, il dit chacun, il a la question dans son cœur. Et là, il explique comment ça fonctionne. Tout le monde, le cheikh, il insiste sur le fait que tout le monde peut ou doit savoir ou sait, a la capacité de savoir ce qui se trouve dans son cœur. Il jure par Allah que tu connais ta réalité intérieure. Tu as une pleine et parfaite connaissance de ta nefs. Il suffit simplement de méditer et de faire une petite introspection. Par contre, quand tu commences à t'exprimer, il dit qu'entre le cœur, donc le cœur et la langue, il y a une distance. Et cette petite distance, même si elle est courte, elle suffit pour altérer le message. Peut-être le cœur, il dit t'es pas bien, t'es pas quelqu'un de bien, t'es loin, t'es insouciant. Mais quand tu vas parler comme les gens de l'éveil. En fait, c'est parce que entre les deux, il y a une distance et que tu mens, tu es hypocrite vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis des gens. Mais moi, tu es hypocrite. C'est pour ça que tu vois qu'il y a des gens qui sont purs et qui dissimulent leur état spirituel et qui parlent. T'as l'impression qu'ils sont rien du tout. Et t'as des gens au contraire qui sont au fin fond du gouffre, et tu les vois parler comme des purs. Si tu es un Arif Billah, tu sais que tu es un Arif Billah. Si tu es un aimé d'Allah, tu sais que tu es un aimé d'Allah. Et si tu es un traître, tu sais que tu es un traître. Quel que soit ton état, retourne en toi-même sans t'adresser à qui que ce soit d'extérieur à toi, car ce vis-à-vis, donc le vis-à-vis comme un miroir, hein, vis-à-vis, à qui tu t'adresses n'est peut-être pas à même de te révéler ta nature profonde. Donc là, c'est pourquoi les gens sont, là, le cheikh va dire pourquoi les gens sont partis à la recherche des chouyours de Tarbiyah. C'est justement pour trouver un vis-à-vis. Étant donné que les gens, bah, le miroir, il est pas pur chez les autres, quand on s'adresse à eux, on se fausse notre image de nous-mêmes, si vous voulez. On se fausse notre image de nous-mêmes. C'est pourquoi les gens sont partis à la recherche d'un vis-à-vis de pleine réalisation spirituelle. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne voit dans le cheikh que notre propre reflet, parce qu'il a atteint la pureté. Donc, c'est pour le prendre, on est parti donc à la recherche de ces gens-là, c'est pour le prendre comme aide
et moyen de jonction, comme un wasl avec Allah Ta'ala. Donc, dans le chemin qui mène vers lui et dans leur quête de haqiqa, de leurs propres âmes. Parce que, donc, le cheikh cite le hadith du prophète, celui qui connaît son âme connaît son Seigneur. Et imagine, il dit, imagine, tu vis, tu manges, tu dors et tu ne sais pas qui tu es. Là, tu ressembles plus à un animal qu'à un être humain. Donc, la distinction entre l'homme et l'animal, elle ne peut être faite que dans la mesure où tu sais, tu es intelligent, tu es perspicace, éveillé, conscient, tu surveilles ton cœur, tu sais que tu es un homme et que tu as quelque chose en toi. Donc, tu étudies ton état personnel et tu connais ta réalité intérieure. Là, on peut dire que tu es un homme. Sinon, bah, tu es un animal. Et celui-là, celui qui est dans un état d'éveil, qui est conscient de lui-même, il ne peut pas chuter au niveau des animaux. C'est impossible. Parce qu'une telle personne connaît, suit les flux de cette âme qu'elle connaît. Il connaît son âme. Mais il suit les flux seigneuriaux, pas les flux de. Pas là où l'âme va l'emmener en bas. Il connaît son âme, donc il la respecte, il sait d'où elle vient. Il connaît son Seigneur. Donc il ne fait que suivre les flux de cette âme dont il a ainsi saisi la réalité et qui de fait est pure et purifiée. Donc il suit son âme pure et purifiée et non pas l'âme qui enjoint au mal. Donc dans le cas contraire, dans le cas où l'âme n'est pas pure, la personne connaît avec totale certitude la réalité de sa nefs. Les gens qui ne sont pas purs, on le sait. On se regarde dans le miroir, on sait très bien là où on en est. Hein. Voilà. Suffit d'être un petit peu honnête avec soi-même et arrêter de se mentir et on arrive à trouver là où on en est. Donc on connaît, donc seul avec soi-même, on est en mesure de connaître la réalité de notre nefs, même si avec nos proches, avec nos amis, notre famille, tous les gens qui nous entourent, on s'emploie à montrer une autre image. Même si on fait ça, eh bien, on sait qui nous sommes. Donc l'individu comment dire, qui montre une autre image de lui-même avec les gens qui l'entourent, il est finalement hypocrite vis-à-vis de lui-même et de personne d'autre que lui-même. Il arbore une image et en cache au fond de lui toute une autre. Étant donné qu'il n'y a que nous, celui qui connaît son âme connaît son Seigneur, il n'y a que nous finalement, c'est notre monde s'arrête à notre propre personne. Même ceux qui nous entourent sont un reflet, ils nous renvoient des reflets de notre propre personne à qui on envoie un mensonge. Ben ce mensonge, finalement, c'est un mensonge qu'on se fait à nous-mêmes. Et donc, là, donc l'individu tombe dans l'hypocrisie vis-à-vis de lui-même. Voilà pour aujourd'hui, Inch'Allah, prochaine fois, et on continuera donc avec le prochain verset. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, fil alamin. إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم